parce que au quotidien, l'association, sans responsabilité à ses côtés, ben, on peut rien faire. Déjà, un grand merci. Sylvie l'a dit tout à l'heure, troisième année consécutive pour Bressure, pour l'organisation de cette manifestation. Je rappelle, c'est une manifestation du comité départemental de Handball qui se réunit pour la troisième fois consécutive à Bressure. Je laisse aussi la parole tout à l'heure à monsieur le président du comité départemental de Handball, Jérôme Fouché. Rapidement, je vais dire un grand merci d'abord au bénévoles, salariés, sans qui tout ce qui s'est passé aujourd'hui, ça ne pourrait pas se passer aujourd'hui et demain, parce que demain, on rappelle ça avec les moins 9. Cette manifestation, il y a un certain nombre d'ingrédients. Il faut d'abord des installations. C'est la modeste contribution des élus à ce genre de manifestation. Il faut des organisateurs. Merci au comité départemental et au Handball Club de Bressuire, qui est toujours fidèle à sa réputation de sérieux et de dynamisme. Il faut des accompagnateurs, vous êtes tous là, les parents, les amis, les entraîneurs, pour accompagner les enfants. Et puis il faut 130, 140 enfants, 150 pour réussir. Donc c'est le rassemblement de toutes ces forces qui font la réussite d'une manifestation. Le week-end dernier, il y avait un championnat de France de judo. Là, aujourd'hui, c'est une réunion du département pour le hand. Monsieur le Président, si l'année prochaine, vous êtes encore en panne de salle, on aura toujours grand plaisir à vous accueillir.